الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Après que Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab fait une explique nous concernant ce Aqidah dans les Sahaba, alors il continue de dire وَأُقِرُّ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُكَاشَفَاتِ وَأَفِيَمْ مِرَكْ دِبَانُ وَلِيَ اللَّهِ et de ban vision إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا. Sauf qui banna je pas mérite n'a rien depuis Allah subhanahu wa ta'ala ce ban droit wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah, et je ne pas être demandé ce qui personne pas inacapacité l'oula excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'existence de ban wali Allah c'est une réalité, non plus que c'est quelque chose existe dans l'imagination de ban jimun, parce que Quran et ban hadith fin fait mention de cette chose là qui est là ce qu'il appelle ban wali Allah. Alors ce qui Quran et hadith fin raconte nous fin fait nous connaître concernant ça, nous accepter li, nous besoin croire là-dedans. Alors qui veut dire un wali Allah? Un wali Allah c'est un jimun qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin compte en li et li fin prend li comme son camarade. Comme Ibn Taymiyyah rahimahullah li dit, l'origine de wilaya, c'est l'amour et l'approchement. L'amour et l'approchement. Donc, un wali Allah, c'est un jimun qui les fin rapproche li avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, man ibadat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les fin compte à sa jimun là, les fin gagne grand valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si sa jimun là, il n'est pas un prophète. Et le pluriel de wali Allah, ou bien normalement, nous disons en arabe, nous disons wali Allah. Ce pluriel c'est Awliya Allah. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les serviteurs d'Allah, il y a des serviteurs qui ne sont pas des prophètes, mais qui, même les prophètes et les martyrs, pour souhaiter qu'ils soient l'honneur. Alors les sahabas ont demandé qui ça va ça, peut-être qu'ils sont capables de compter là. Le prophète fin dit c'est les qui font compter en alut par la lumière d'Allah sans qu'ils aient une relation disant ou bien qu'ils aient une relation à travers le mariage. Je figure pour être dans la lumière et je pour l'eau un membre en lumière comme un dimoun pour père, ben là pas pour père, comme un dimoun pour sarin, ben là je pas pour sarin. Ensuite Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait une cite du Coran là ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Certainement ben awliya Allah je pas pour na la frayeur l'eau et je pas pour sarin. Et normalement quand nous disons ben wali Allah, nous fin déjà attendez mais ben wali Allah c'est ben du monde qui veut faire ban miracle, veut faire ban miracle, mais peine à doute qui peine à nier qui est capable de sortir en dehors capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ban pouvoir, tout ban capacité il trouve dans Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pouvoir, ce l'armée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui honore certaines par faire qu'il miracle apparaît à travers lui. C'est-à-dire un djimoun, par lui-même, il n'est pas capable de faire un miracle. Par lui-même, il n'est pas capable de faire un miracle. Il n'est pas dans sa capacité. Ça. Pareil, comme un prophète et un messager, il y a un miracle qui se fait faire, mais à aucun moment, ça va un miracle-là, il n'est pas si comme un djimoun. D'après, j'ai une capacité, quand j'ai envie, je peux faire un miracle. Quand j'ai envie, je peux faire quelque chose, arriver. C'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul qui a le pouvoir, là, lui qui décide. Qui s'en là pour faire qui qualité miracle quand il peut faire ce miracle là arriver. Donc si un djimoun, un prophète il peut na capacité pour faire miracle par lui-même, peine à doute qui un wali Allah il peut na sa capacité là. Allah subhanahu wa ta'ala li dit wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'inda Allahi wa ma yush'irukum annaha idha ja'at la yu'minun. Ban la je fais ban grossièrement le nom Allah subhanahu wa ta'ala et je dis que si un miracle vient à ban la certainement je peux amener iman là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala li dit au Muhammad ban miracle c'est simplement auprès d'Allah, c'est-à-dire juste Allah qui décide ça. Mais qui chose pour faire je te connais au ban musulman qui si un miracle vient alors ça ban la je pas pour amener iman. Alors il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un miracle apparaître à travers un wali Allah. Parce qu'un wali Allah, c'est un djimoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui compte en lui. Et peut-être dans certaines circonstances, pour honorer ce djimoun-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un miracle paraître. Alors pour différencier entre miracle de un wali Allah et un prophète, man ulama, je fais une série de termes différents.
Pour moi, Wali Allah, je servis le mot karama, qui veut dire le miracle même. Et pour moi, prophète, je servis le mot mu'jiza. C'est-à-dire, man, miracle qui m'a prophète, je te fais, appelle ça mu'jiza. Et ce qui m'a Wali Allah, je te fais, c'est appelle ça karama. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit dire, parmi les principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est croire dans karama. C'est-à-dire, man, miracle de man Wali Allah, et man miracle qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait apparaître à travers man là. Et qui ça là? Qui normalement est considéré comme un wali Allah. En général, tout ban mu'min, tout ban qui finit iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, je t'ai considéré comme ban wali Allah. Et tout ban kafir, tout ban kuffar, je t'ai considéré comme ban wali shaitan, ban camarade de shaitan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala li le wali de man ki finamen iman li retire man la depuis l'obscurité jusqu'à la lumière. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat. Bal ki fin fi kuf alo saban la je ban wali de shaitan de taghut ban la retire je depuis la lumière vers l'obscurité. Alors en général tout man mu'min c'est man ban wali Allah. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala li fin décrire ce man wali, ce man awliya, c'est l'idée c'est man qui le chemin droit et je t'inifier l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Certainement man awliya Allah, je peine à la prier à l'ojet et je pars pour chagrin man qui finamène iman et je t'ena taqwa. Alors en wali Allah obligatoirement les visages du monde qui sont iman ferme de Quran, hadith et libérez-le de tout ce qui est capable de provoquer coller Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit dire awliya Allah c'est man mu'min qui n'a taqwa, c'est man mu'min qui n'a taqwa. Alors livré qui en wali Allah il y a du monde, c'est-à-dire pour arriver il faut faire certaines man erreur, pour arriver il faut faire certaines man PC, mais seulement c'est un du monde qui n'est pas persisté dans ce PC. Quand il finit faire un PC, alors il retourne, il fait un tawbah, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pena kuma jen ki chose spécial ki an jimoun li bza fer li ala li pouvinen wali Allah kuma ina certaine dans une man fanflet ou bien dans un man livre je dis bza recite daroud en quantité, bza recite daroud en quantité. Alors il y a une sunna an jimoun li pe recite daroud en quantité, mais seulement à aucun moment ne pas trouve spa ina une preuve là depuis Quran ou bien hadith que j'ai mentionné pour te vin wali Allah te bza recite daroud en quantité, c'est pas combien fois, ou bien tu as besoin de réciter telle petite chose, c'est pas combien fois, c'est pas besoin de faire combien soit là, pays n'a aucun, ça va en quitte chose là. Et comme ça même, pour man soufi, iman et taqwa, pas suffit pour koumadien djimoun li vin an wali Allah. C'est-à-dire, je dis, mais dans quelque chose spécial. Koumadien djimoun, il y a envie vin an wali Allah, il besoin de faire telle action. Ce qu'il appelle al-mujahada. C'est-à-dire, il combat ce nefs contre man plaisir mondain. Par exemple, il pas manger, il reste avec la faim. Il pas se précorde mandimoun, il reste tout seul. Ou bien il pas dormi, il reste éveillé pendant la nuit. Il pas causé, il reste tranquille. Ou bien il reste sur la dit qu'il y a les mêmes. Il reste sur la salat, il y a les mêmes. Il reste sur le Coran, il y a les mêmes. C'est-à-dire man exagération. Alors ça c'est man quelque chose qui man là je t'ai là et Tablik Jamal de Maurice, un groupe soufi, je enseigne pour pratiquer Al-Mujahada comme un moyen de purification. Alors dans ce livre, il mentionnait Ibrahim ibn Adham, il dit 30 ans, Motiena, le désir pour manger ce qu'il appelle Sakbaj. C'est-à-dire, il a envie de manger. Il dit seulement, mon pini moi-même à travers Al-Mujahada, et ça même, on pas fini de manger. Il dit, en la nuit, quand je fais dormir, un jeune garçon fin mini, il vient avec un bol couleur vert dans laquelle tient la fumée pour sortir et mon fin gagne pour faire de sa manger là c'est capé sac badge. Alors ça quand on l'a fini d'aller manger ça il vient être donné à moi par Ridwan, c'est-à-dire gardien de Jannah, et il finit dire moi au Khidr, c'est-à-dire ça dit moula c'est Khidr, prend ça al don Ibrahim fait lui manger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut donner lui bizarre par refuge pour manger ça qui se osa lui dire Khidr fait moi manger avec ce l'armée et comme on levait mon père encore m'a dit gai goût ça manger là dans mon la bouche et mon trou m'a dit
coulée de safran, l'eau molalive. Alors, peine à doute que ça, c'est ma histoire que je te racontais. Et parmi ma question, ce qui montrait là-dedans, c'est que je, comment dire, je disais pas manger. Une question que je comptais manger, je disais puis je même pas manger. Et puis la doute qui, à aucun moment, l'islam pas financé nous, ça qui se faisait, qui est un musulman, pour comment dire, il atteint un degré, ou bien pour les vignettes peuple les meilleurs, les vignettes sacrifier certaines manquissos qui halal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Au man qui finalement iman, pas décrit manquissos haram, man bon nourriture qui Allah in décrit halal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, l'in fera halal pour nous dînons li haram pour nous, soi-disant pour nous atteindre certaines man niveaux. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a été pur sur les quêtes pures, et lui-même, il est content, c'est manger certaines manges, manger spécifiques, et jamais à aucun moment, il finit à abstenir, ça va manger là comme un moyen de purification, ou bien pour un autre niveau. Comme Abu Hurayra, radiallahu anhu, dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est content, mange dhira, c'est-à-dire avant-bras d'un animal, un bœuf, ou bien un mouton, ou bien un cabri. Et Aisha, radiallahu anhu, dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est content, mange ban gâteau qui est sucré et du miel. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il y a un prophète, c'est la manquisseur, il est content de manger et à aucun moment il n'est pas fini enseigner nous qui nous faisons quitte manquisseur, qui nous content pour nous arriver tel degré. Et un wali Allah, obligatoirement, il y a un djimoun qui, sur iman, ferme le Coran et sunna. Alors, il n'est pas capable, un djimoun qui, sur iman, il mélange avec shirk. Et shirk étant quelque chose qui plie dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible qu'il m'a dit, il y a un wali Allah, il y a un camarade avec Allah, et qui, sa djimoun là, soit akida mélangé avec shirk. Quelque chose qui est impossible. Alors, si un djimoun, qu'il m'a dit, et un djimoun peut considérer comme un wali Allah, mais sa mère est un bégété, il peut inviter djimoun vers adoration djimoun mo, ou bien le demande avec kabar, ou bien quelque chose qui est contenu à shirk, c'est pas un wali Allah, c'est un wali shaitan. Alors, basant l'eau-là, il y a certaines qui, ben, Jimoun, fin considèrent ce qu'on m'a dit, mais c'était ben, Jimoun qui, je suis bien vite, Jimoun vers Wahdatul Wujud. Tout qui sort, c'est Allah de tout qui sort. Et Jimoun, tu peux prendre un moment là, comment m'a dit, ben, Wali Allah. Par exemple, le gars Ibn Arabi et Jalaluddin Rumi. Ça, c'est là. Il y a un ben, ulama, même, il disait, ça, c'est ben, kafir. Mais malheureusement, il y a certaines qui prennent ce moment là, comment m'a dit, ben, Wali Allah. Et comme ça même, un djimoun n'est pas capable de wali Allah, et qu'il m'a dit, il n'a bidra plein de cela vie. Il n'a bidra plein de cela vie. Parce qu'il bidra, c'est légalement. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire camarade avec un djimoun qui, il fait mettre un enseignement, il fait mettre un prophète, alors ça n'a pas lili, il fait que m'a dit, il plie connaît, pas pour suivre sa prophète là, il peut ajouter dans sa dîne là, impossible pour qu'il sa djimoun là, il est capable de venir wali Allah. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, ban awliya Allah, c'est ban qui rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ce qui ban là, il est prêt avec lui. C'est-à-dire ban ibadet qui, Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne nous et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fin pratiquer. Alors c'est juste une action qui d'après sunna qui pour rapprocher un djimoun vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon un wali Allah il n'est pas possible qu'il y ait un djimoun qui est un man haram flagrant de cela vie. Il y a un haram flagrant de cela vie. Un djimoun il y a une fumée, il peut fumer partout, ou bien il cause mentir avec tout le monde, ou bien il couillonne tout le monde, ou bien il peut dormir les salades, ou bien il y a un PC flagrant tout le monde peut trouver. Ensuite, là, je trouve, maintenant, on peut considérer ça, djimoun là, comme un wali Allah, peine à doute, qui ça, c'est man, qui chose, qui pas correct. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, reste loin des man haram, te pouvine parmi man qui plus fait ibadet pour Allah, te pouvine plus rapproche-toi avec Allah. Alors, comme un djimoun lit, il y a plein haram de cela vie, il est capable de dire, il y a un wali Allah. Et Imam As-Sana'i, rahimahullah, il dit, le muttaqi, c'est lui qui est un taqwa, puis reste loin des manques choses qui fait Allah en colère, c'est lui le wali, c'est lui qui est un vrai wali Allah, un qui n'est pas muttaqi, il n'est pas capable un wali. Le muttaqi, c'est le mu'min qui accomplit une obligation et il reste loin des mauvaises actions. Alors, un djimoun qui est un PC flagrant de cela vie, ça dit, moun là, ce taqwa, il est bien fait. Ce taqwa est bien fait, ce iman bien fait, alors il est impossible pour qu'il s'agit de l'ivinen wali Allah. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit concernant celui qui considère comme un wali Allah, un djimoun qui se lave trempé de haram, il dit c'est lui qui a la conception, qui sa qualité djimoun là, il y a un wali, en vérité il y a un kafir qui fin renonce din à l'islam et qui pas fin attester Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le messager d'Allah. Parce qu'il fait, il contredit tout ça man ayat Quran, tout ça man hadith code, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
Puis on sait nous qui un wali Allah n'est pas capable d'un dimoun qui n'a sa mentalité passer là dans ce la vie. Et un wali Allah jamais n'est pas pour ordonner un dimoun pour désobéir à Allah. Tout le temps il pour ordonner un dimoun pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si vous m'avez dit un wali Allah n'est pas libéré d'un dimoun à coquin ou bien à bat dimoun ou bien à commettre zina ou bien arrête de faire soi-là. Puis il y a doute que ça, c'est pas un wali Allah, mais c'est un wali ou shaitan qui n'a pas une qualité munafique dans lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Al-munafiquuna wal-munafiquatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkar wa yanhawna anil ma'aruf. » Ben, j'homme parmi ben munafique et ben madame parmi ben munafique, je t'appartenais à l'autre, je t'ordonne ce que l'islam fin considère comme mauvais et je t'empêche ce que l'islam fin considère comme bon. Et d'après Ayat Quran, et ben hadith, et dans certaines ben si, comment nous capables connaître un wali Allah. Alors, en bref, c'est nous pourrions connaître un wali Allah à travers ce persévérance dans l'ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ben qui quand te trouve, alors te pense Allah. Un dimoun qui, faut dire que tu peux te penser, bon action, tu peux penser l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, ben dimoun compte en lui. Ben dimoun, je te compte en lui qui fait, par contre, je dis pour gagner, dis bien avec lui, dis bien matériel, non. Je te compte en lui la cause, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Inna alladhina amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ben qui fait la main iman, et je te fais ma bon action, Allah subhanahu wa ta'ala lui pour mettre l'affection pour ban là dans les cœurs des ban musulmans ban dimoun pour compte en libre et comme ça même ce doit y être accepté comme le rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ça dit moi c'est-à-dire ça wali là s'il y demande moi certainement moi vous donne lui s'il y cherche protection moi pour protéger lui et parmi ban qualité qu'il y a dans eux c'est qu'il rêve qu'il y trouve ou bien qu'il ken trouve ça pour lui c'est-à-dire ban bon rêve كما الله سبحانه وتعالى لجاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألو سبحان الله إن لا بن نوفيل بمن لا دا دنيا إلى آخرة تفسير ابن كثير رسول صلى الله عليه وسلم تفسير سأعي القرآن et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li bediab la bonne nouvelle c'est bon rêve qui un musulman li fait ou bien un djimoun fait concernant lui alors quand nous fait considérer un djimoun comme un bon serviteur un djimoun qui nous trouve et sa bonne qualité là dans lui nous peut penser bon action nous peut penser Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire des efforts pour rester dans l'obéissance à Allah il peut apprendre ce dîn etc alors d'après nous peut dire mais ça c'est un wali Allah un bon esclave Allah. Alors, ce qui nous dévoile envers un qui, comme je dis, nous peut trouver sa qualité là dans lui, qu'il y a un wali Allah, c'est qu'il nous a assis dans lui, nous a content ça du monde là. Il est content ça du monde là. Nous supportons lui pour propager sa la vérité là. Nous défendons lui contre les fausses accusations. Nous obéissons à lui en ce qui conforme avec Coran et Sunna. Et nous honorons lui par l'esprit causant premier. Alors ça c'est man, c'est un man, man principe qui man roule à Mazofin Mété. Et c'est lui qui les fin oppose en wali Allah. C'est-à-dire un parmi man qui Allah subhanahu wa ta'ala lui content. Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre lui. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, c'est lui qui hostile à un mouban wali, certainement me donne l'annonce de la guerre. Alors, comme le pénin qui soit, comme il écrit un livre, un mouban wali Allah jusqu'à Qiyama, ou bien un lalis, ou bien une chose qui dit, mon fait pour lui, un wali Allah. Non, ça c'est pas une chose qui est peut-être un wali Allah, nous pas connu lui, ou bien. Il y a quelque chose nous pas pour connaître c'est un wali Allah ça ou bien nous un doute là peut-être nous mettons ça du monde là nous car croire certaines un wali Allah ou bien il pas un wali Allah ça c'est quelque chose qui comme ça mais un principe qui manque la marge au film et bien un doute qui nous faisait respecter un wali Allah mais nous faisait pas exagérer dans honori parce que ça quand on a les pistes qui bizarre, ça les points de fitna pour ça du monde là même. Et puis il y a d'autres qui l'exagération d'ordine, c'est quelque chose qui lui a empêché. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais attention de l'exagération parce que c'est simplement l'exagération d'ordine qui vient détruire le peuple avant eux. Alors, quand ben certaines ben je finis exagéré dans ben wali Allah dès la même nuit où je finis invente ben histoires surtout le Abdul Qadir Jilani je finis invente ben histoires loli soit disant un aspect envolé dans l'air ou bien tu peux bosser le délo poisson tu peux embrasser Olivier ou bien une fois je te racontais Abdul Qadir Jilani il finit manger poule
Quand il finit de manger, tu n'as pas les yeux là. Alors, l'ingé de sa main, les yeux là, il dit, par Allah, relevé. Alors, ça les yeux là, il revient dans sa forme, sa poule là, comme il était avant les mots, et il commence à se morcer. Alors, ça, c'est pas une histoire que je te raconte. Ou bien, une fois, il peut faire coup de bas, un oiseau peut s'en sentir. Il dit, qui Allah coupe la gauche? L'oiseau là, il tombe en place, il mort. Quand il finit de faire coup de bas, l'ingé de sa main, il dit, relevé. L'oiseau là, relevé, commence à s'envoler pour aller. Alors, ça, c'est une chose qui je vais raconter qui fausse. Parce que, si ban wali Allah tu es capable faire ça man calte chose mais aujourd'hui tu fais pas tout non qui fait nous pas tout comme dire qui se peut mort peut revivre ou bien peut morceau de l'eau bien peut envoler dans l'air c'est pas une chose qui mais ban wali Allah mais c'est moi ça c'est ban qui chose qui je fin exagéré jusqu'à qui certaine fin exagéré et je fin tombe dans shirk je fais si ça pour ça man qui se considère comme wali Allah et elle parmi man soufi Abu Turab lui dit si tu trouves Abu Yazid al-Bustami c'est-à-dire elle parmi man wali Allah qui ban la considère comme wali Allah elle seule fois de trouve ça dit mon là ça plus profitable pour toi qui si tu trouves Allah 70 fois qui a été shirk ça alors man là je exagéré une qualité exagération qui va dire wali Allah il vient plus qui et même plus qui prophète, et même plus qui Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qu'il y en a, je dis à qui, ben oui, Allah, je plie meilleur qui ban prophète. Alors, lui-même, Abu Yazid al-Bustami, il dit, nous finons en fonce dans l'océan, qui ban prophète, il n'arrête que de beau même. On va dire, lui, il n'arrive à l'autre degré. Prophète, il n'arrête pas, il fonce dans les mêmes. Alors, je exagéré, jusqu'à qu'il y en a, comme je dis, Allah Hazrat, c'est-à-dire, sif de Manuel Allah, ou bien Manuel Allah, c'est quand même, et là je dis, j'ai la conception qui Manuel Allah plus meilleur. Parce que ce qui est prophète, tout man messager qui existe, tout prophète, tout messager qui existe, comme Ibn Hazm, rahimahullah, dit, un groupe parmi man soufi, il prétend qui parmi Manuel Allah, et là qui meilleur, qui tout man prophète, et qui tout man messager. Et là, même qui le trouve, c'est qui se fait, appelle Urus. Urus, qui se fait ça? Pour commémorer date qui, soi-disant, sa wali Allah la fin mo, ben là je dis, jour qui sa wali la fin mo, les rôles de ce kabar, alors ben onze yali, domi kouma en arous. Alors, arous dans langage arabe veut dire, un nouveau marié. Alors, les là, comme a dit sa wali la, il peut rester avec la joie dans le monde de Bazar. La cause même, je dis, appelle ça Urus. Alors, ben a doute qui ça? C'est un bid'a. L'époque de le prophète, les prophètes sont man sahaba fin mo Abu Bakr Omar Osman Ali ban Zadjaban plus grand wali Allah ce qui fin existe jamais nous pas fin trou qu'Abu Bakr fin mo nous trou Omar fait ce Urus ou bien qu'Omar fin mo nous trou Osman il fait ce Urus jamais man trouver ça astel tous ça man grand sahaba les mo jamais pas fin trou Urus là nous trou si pas Urus Abdul Qadir Jilani ou bien Ahmad Raza Khan ou bien n'importe qui ça là il a dit que ça c'est man fausté. Et si tu vous faisais célébrer Urus même, pour un wali Allah, tous les jours tu vous faisais un Urus. Parce qu'il fait 1400 banadés, ce man bon du monde inexiste. Si nous prenons tout ça, 10 sahaba même tous les jours. Mais l'année tu peux finir, Urus pas tu vois quoi? L'année Urus pas tu vois quoi fini? Alors, ben, adulte qui ça, c'est mal qui se finit exagéré. Et comme ça même, je vais exagérer dans. Miracle de Manuali Allah, je dis que Manuali Allah a une capacité. Dès que je dis, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Soit qu'on a quelque chose paraît manuel Allah sienna et n'a même capacité ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il fait une quitte zérance l'administration les mondes dans l'armée de manuel Allah et manuel Allah je n'ai pas connaissance grave à tel point qu'il n'y a pas ça je attention et manuel Allah je saute de bien je travaille après je la mort et je viens sauve je ban mourir c'est à dire beaucoup de histoires que je raconte une fois qu'on écoute ça des histoires là on m'a dit comique alors peine à doute qui ça c'est man fausseté qui je fin attribué alors comment Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab fin l'immédiat soit aqida nous croit de manuel Allah sans qu'il nous exagérer dans je alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège l'exagération dans je dis et les purifie nous iman wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.